à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Mozart des finances qui joue faux. D'ailleurs, la plupart des hommes politiques ou des femmes jouent faux également. Donc Macron est le pire président, à ce jour, à mon sens, de la Ve République. Et pourtant, il a été réélu facilement. Et alors, c'est pareil un peu pour Hidalgo qui a été réélu alors qu'elle succédait elle-même, comme Macron succède à Hollande, un socialiste, elle succédait elle-même à Delanoë, un autre socialiste. Donc, je pense que leur idéologie, leur façon de parler, de s'exprimer, d'enfumer les gens, est payante. Tout simplement, elle est payante. Voilà. On crée toujours la même peur, la peur du loup. Le loup, il vient jamais, il viendra jamais, mais ça suffit. Vous allez voir d'ailleurs avec les prochaines européennes, si les scores des sondages se confirment, derrière, ça va être la grande fête de la peur. Alors, pourquoi c'est possible qu'un président soit aussi mauvais, incompétent et réélu? Parce que l'opposition n'existe plus quand la gauche est au pouvoir. Ça se vérifie tous les jours. C'est un truc étonnant. Je prends juste un exemple en aparté, là. C'est l'histoire du couvre-feu pour les mineurs. Ça, c'est la preuve, ultime preuve, de l'impuissance des politiques face à la réalité. Parce que si on arrive à faire des mesures comme cela, c'est qu'on n'a aucun moyen ou qu'on veut utiliser aucun moyen pour lutter réellement contre cette violence. Parce que si vous pensez, eux ils sont un peu malades leur cerveau, si vous pensez que cette mesure va porter ses fruits, c'est faux. Même si on vous donne des sondages ou des statistiques bidons derrière pour vous dire, ah, vous voyez c'est beaucoup mieux et tout, c'est pas vrai. Hein. Tous ceux qui connaissent la banlieue, les banlieues savent très bien que ça ne sera pas respecté et qu'il n'y aura personne d'ailleurs pour le faire respecter, parce qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. On a tous les problèmes de la terre, on a un manque de moyens pour la police qui est énorme, ou la gendarmerie, on a le refus de la justice d'appliquer quasiment la loi, et on a ensuite la propagande, parce que c'est une propagande de tous les jours, contre soi-disant le racisme, etc. Et cela nous a affecté les cerveaux, visiblement, depuis beaucoup d'années, depuis tant d'années. Alors, que Macron, quand même, a un avantage pour une opposition qui voudrait s'opposer, c'est que tous les jours, il donne à manger. Hein. Il faut voir les trucs qu'il peut dire. C'est étonnant. On n'est plus dans un monde normal. On est dans un monde où l'irréel a triomphé, quoi. Hein. C'est à la fois Fantasia chez les Poulouks, le sorcier du coin, enfin c'est tout, quoi, c'est tout. Vous prenez tous les dessins animés, là c'est bon. Hein. On a Macron, quoi, c'est Pinocchio, c'est étonnant. Et en même temps c'est Martine aussi, vous savez, Martine qui fait ci, Martine qui fait ça. La dernière fois il a été joué au foot, tiens, ça l'occupe. Puis ça fait bien, son équipe a gagné, tatati, tatata, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, mais ça fonctionne. C'est là où on se dit, bon, il y a un gros problème dans la tête des gens pour que cela fonctionne aussi bien. Alors, par contre, notez bien que quand la gauche, elle, est dans l'opposition, c'est tous les jours qu'elle s'oppose, pour tout, tout. Tout, tout. Vous pourrez le vérifier si un jour la droite revient, ou si vous vous rappelez comment ça s'est passé, par exemple, sous Chirac, Sarkozy, etc., Giscard. Ça a commencé avec Giscard. Alors, là encore, le phénomène d'aujourd'hui, la gauche au pouvoir, pas d'opposition, est un phénomène absolument incroyable, mais qui s'explique parce que les élus de droite sont des notables de province. Hein, c'est pas très péjoratif, mais c'est un peu péjoratif. C'est-à-dire qu'ils sont là uniquement pour leur prébende, pour leurs avantages, pour leur poste, leur titre, et que la vie de tous les jours ne les intéresse pas. Hein. Vous pouvez le vérifier, ça aussi c'est simple. Écrivez à votre député ou à votre préféré d'un parti ou tout ça. Vous aurez ou
aucune réponse, 80%, ou une réponse bateau qui ne répond jamais à votre courrier. Hein. C'est-à-dire, si vous demandez à un politique, est-ce qu'on pourrait faire ceci ou cela, il vous répond, merci de m'avoir écrit, je prends bonne note de ce que vous m'avez dit, c'est pas ce que vous lui avez dit puisqu'il n'a pas lu votre courrier. Mais c'est pas grave, au moins lui, il a une réponse automatique. 80% ou plus ne répondent même plus. Ou n'ont jamais répondu d'ailleurs. Alors, vous pouvez vérifier ce que je vous dis avec un petit truc tout bête. Vous allez sur les réseaux sociaux où on a des followers, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir que l'homme politique, ou la femme, hein, c'est pareil, a X centaines de milliers de followers, et lui, il en suit parfois entre zéro et quelques-uns. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il méprise en fait les gens. Parce que la vérité, c'est ça. Vous avez un exemple concret, là, vous avez le socialiste, là, le mari de Léa Salamé, Glucksmann, qui prend le train, il monte en première classe, le gars, hein, il est socialiste. Moi, si j'étais socialiste, eh ben, j'oserais pas monter en première classe. Hein. Mais pourquoi il monte, lui, en première classe? Parce que le peuple, il ne le connaît pas, il le méprise, il n'en a rien à foutre du peuple. Hein. Eh ben, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de la politique, c'est qu'en fait on nous méprise. Alors il y en a, c'est plutôt ouvertement, et il y en a, c'est plutôt discret. Mais ils nous méprisent. Vous pouvez prendre tous les politiciens que je connais, hein, c'est-à-dire toute la classe politique, quasiment à part peut-être un ou deux, je ne dirais pas les noms parce que ça n'a aucune importance, et ils nous méprisent. C'est clair, c'est net. Et mais les gens ne veulent pas le voir, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a vu, par exemple, avec Macron, que ce soit pour le confinement, le port du masque, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, etc., etc., l'immigration, j'en parle même plus, parce que là, on s'est tellement foutu de nous que c'est même pas permis, alors que c'est le premier problème de la France aujourd'hui, il faut savoir. Tous les jours, il y a des attaques de migrants qui crient leur fameux cri de guerre, là, qui vont aller au bar. Hein. Et ça, c'est le symptôme d'une société qui s'écroule. Parce qu'on a tout laissé faire et on continue de laisser faire. C'est pour ça que toutes leurs lois, là, le couvre-feu, la loi sur l'immigration, la loi sur ceci, la loi sur cela, ce sont des caches-misères. C'est l'aveu d'impuissance de tous ces gens-là. Et là, c'est montré avec tout ça. Et ça fonctionne de, je sais pas pourquoi, je comprends même plus là. Aujourd'hui, je comprends même plus. Évidemment, quand vous avez en plus une opposition super molle, super absente, ce n'est pas très difficile d'enfumer les gens et de les endormir, hein, puisqu'il y a personne pour les réveiller. Et je me suis aperçu d'une chose très concrète, quand Macron ou ses ministres balancent des conneries, mais alors monumentales, devant des journalistes, vous remarquerez qu'à aucun moment, où il y a quelques exceptions, je crois qu'il y a eu Mme Ferrari qui a osé dire les choses au président, aucun ne répond et ne pose de questions visant à comprendre qu'est-ce que c'était que cette phrase à la con qu'ils ont pu sortir. Hein. La meilleure que j'ai trouvée dernièrement, c'est la ministre Oudéa Castéra qui dit pour les Jeux Olympiques, il faut que les SDF rentrent chez eux. Alors là, j'ai été éclaté. Je me suis dit, la fille, je ne sais pas ce qu'elle fait comme ministre, mais oser dire ça, puis avec un aplomb, parce qu'il faut voir l'aplomb qu'ils ont quand ils vous disent des choses. Hein. Ou Macron qui vous dit, ce n'est pas le problème des dépenses, c'est le problème des recettes. Le mec, il a retrouvé une bande dessinée d'il y a 48 ans. Hein. Bon, on en est là. Alors, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de prendre le taureau par les cornes, même quitte à utiliser des méthodes peu conventionnelles, voire peu démocratiques pour redresser le pays, il n'y a aucune issue à la situation présente, autre que l'asservissement de la France. Et moi, je maintiens qu'en 2027, la droite, même si elle fait un beau score là, pour une élection à un tour qui est les européennes, aura beaucoup de mal à reprendre le pouvoir. Alors la seule chose qui semble se dessiner, je dis bien qui semble, hein, je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir quoi que ce soit, serait qu'il y aurait un regain de vote aux européennes, ce qui serait très bon signe à mon sens.
parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à se rendre compte que ne pas voter, c'est une sombre connerie, parce que quand vous ne votez pas, vous ne participez pas à la vie de votre pays, mais en plus, vous permettez à des tocards de rester au pouvoir. Et ça, c'est très grave. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé, qu'il va y avoir ce regain de vote, un regain très significatif, a priori. Mais bon, on peut se tromper aussi. Dernier point que je voulais évoquer, ce sont les sondages pour les européennes. Là, c'est dans le ton de tout ce que je viens de vous dire. Je prends l'exemple. La semaine dernière, on vous dit grave baisse pour madame la candidate, là, qui a l'air elle aussi un peu hein, de la Macronie. Et puis, tout va bien pour le Parti Socialiste. Bardella est au plus haut, etc., etc. Une semaine après, 7 jours, je retrouve les mêmes scores dans le sondage en question, et on vous dit, rien ne va plus, Bardella baisse, le gars, il a pris 1 ou 2%, mais c'est pas grave, la candidate macroniste, elle, va beaucoup mieux, elle a pris soi-disant 1,5%, et le socialiste qui n'a pas bougé, le fameux Glucksmann là, qui prend les trains en première, lui, ça va très bien, même beaucoup mieux. Il n'a pas bougé, le gars. Il était à 12, il est à 12. Voilà. Alors, par contre, évidemment, pour Reconquête, rien ne va plus. Ils étaient à 6, ils seraient encore à 6. Donc, vous comprenez qu'en une semaine, de passer de 6 à 6, c'est le contraire de Glucksmann qui, lui, est passé de 12 à 12. Mais lui, c'est fabuleux, ça monte. Et l'autre, c'est désastreux, ça descend. Voilà. Ça, c'est la propagande à l'état pur, ce que la propagande que faisait l'URSS, tiens, pour prendre un exemple, une grande démocratie, ou d'autres pays du même genre, Corée du Nord, etc., et Cuba à l'époque de Fidel Castro. C'est la vraie propagande qu'auraient adoré certains auteurs, hein, de science-fiction politique, si vous voyez ce que je veux dire, comme Orwell, quand il écrivait 84. Eh bien, on est en plein dedans, et je me dis, quand les Français vont-ils donc atterrir, se réveiller, et voir comment ils sont manipulés, parce qu'ils sont manipulables, et comment on les prend pour des andouilles. Vous voyez, andouilles, c'est très français. Voilà, bon, allez, j'arrête là, parce que sinon, comme d'habitude, on est mal, on est même très mal. Et puis, franchement, il n'y a rien qui se précise de bien à l'horizon. Merci et à bientôt.